L'argent que vous voyez là, ce n'est pas votre camarade, hein? L'argent n'est pas votre camarade. Parce que quelqu'un qui a l'argent peut vous faire n'importe quoi. On est ici sous la toile, non? Là où on continue encore de débattre ces débats de MMK et puis le grand corbeau et Maman Cathy. Là où Maman Cathy, on ne sait pas jusqu'à maintenant ses motifs d'aider les gens. Oui, les grands corbeaux se défendent et il y a un live ou bien deux qu'on va vous mettre concernant le grand corbeau, concernant le réplique de grand corbeau. Mais aujourd'hui là, quelqu'un va faire n'importe quoi pour avoir l'argent. Des gens font n'importe quoi. Et même dans le live qu'on va vous mettre là, vous allez écouter. Hein? Donc, j'ai aimé cette femme qui est montée. Où est notre dignité aujourd'hui? Où est notre dignité aujourd'hui? À cause de l'argent, il y a des filles qui sont parties à Dubaï pour que les riches là font caca dans leur bouche pour l'argent. Elles se sont déplacées de l'Afrique pour aller là-bas, pour se faire humilier. À cause de l'argent, vous allez voir les gens tuer d'autres gens à cause de l'argent. À cause de l'argent, il y a manipulation. Il y a tout. On ne dit pas que l'argent est mauvais, hein. On ne dit pas que l'argent est mauvais, mais l'utilisation de l'argent dans ce monde ici. Et nous, quand on grandit, là, on était des petits, et puis à l'âge des 14 ans, peut-être vous n'avez pas encore un téléphone. Oui, c'est le monde actuel, c'est le monde ici, le monde, on appelle ça le monde Android. Les enfants ici sont les enfants d'Android. Cela veut dire quoi? Vous allez voir, un enfant de 9 ans a déjà son téléphone, un enfant de 12 ans a son téléphone, 15 ans même, n'en parlez même pas, 18 ans. Moi, je me souviens, mon premier téléphone, j'ai partagé, c'était à 17 ans, mais j'ai partagé avec ma cousine. Mais le téléphone, ce n'était pas smartphone. C'était le Nokia là, vert là, hein, qu'on partageait avec ma cousine. C'était comme ça. Et l'Internet est venu aujourd'hui dans nos vies. Oui, il y a toujours deux côtés de quelque chose, côté négatif et côté positif. Mais aujourd'hui, avec l'Internet ici, avec TikTok ici, ah, vous avez vu ici sous la toile? Les jeunes ont abandonné les études, les jeunes ont abandonné leur carrière pour TikTok, pour faire l'argent à TikTok. Vous avez écouté comme notre maman avait expliqué même que pour avoir un 2000 euros en TikTok, c'est rien du tout. Mais ils ne veulent pas étudier, ils veulent seulement, on appelle ça en anglais, easy money. Moi, et l'autre, je vous avais dit quoi ici sur la toile? Que en TikTok, là, il n'y a pas de diplôme. TikTok n'a pas de diplôme. TikTok n'a pas de grade que non, un jour là, vous allez finir et puis vous devez. Oui, bien sûr, le général avait même dit que s'il arrive qu'il meure aujourd'hui, son fils ou bien une de ses filles peut prendre le compte là, ses comptes, et puis continuer de faire l'argent. Mais si on arrête à un moment donné, c'est l'éducation qui compte. Même si les gens là qui ont TikTok et tout, qui ont célèbre dans le TikTok là, même sur YouTube là, vous allez voir la manière d'agir, c'est différent. Pourquoi? Parce que l'étude d'abord, vous allez connaître comment, how to deal with people. C'est ça que moi j'aime d'une partie, d'aller à l'école, at least, d'aller à l'école jusqu'à l'humanité. Vous voyez, vous saurez comment résoudre d'autres problèmes, et un petit problème ne peut pas devenir grand en ce qui même ça éclate. Même sur TikTok, là, vous allez voir la manière d'agir, c'est différent. Donc, on va suivre la vidéo tous ensemble ici sous la toile. Vous allez écouter une dame qui a, en tout cas, la dame là, je l'ai même suivie parce qu'elle a dit des histoires que Elios 13 dit toujours sous la toile ici. Quand Dieu vous donne le soufflet, la maison ou une place pour dormir, la nourriture, ah, mon frère, ma soeur, il faut s'asseoir, il ne faut pas chercher des problèmes. Faut pas chercher des problèmes parce que sur les réseaux sociaux là, on ne sait pas qui est qui. Alors, on va suivre les lives tous ensemble. C'était le live de maman qui défendait les grands corbeaux. Voyez, mais une maman est venue, une manette qui est venue nous donner des bons conseils. On sait il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup beurrer là sur la toile. Mais aujourd'hui là, si vous voulez beurrer, dans la vidéo ici, il n'y en a pas où. Il y a un petit béret là, peut-être de, je ne sais pas, c'est même pas 50%.
Donc aujourd'hui, là, on va écouter. Faites-vous abonner, faites vos enfants, vos jeunes enfants là de 18 ans, 19 ans, abonner ici pour des conseils de la vie. En tout cas, on va suivre la vidéo. Nos salutations à tous, nos salutations à nos guetteurs, nos salutations à ceux qui sont ici pour la toute première fois, mais une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. On salue, accompagné des gros bisous. Voilà, on va tous suivre la vidéo, on viendra qu'à la fin. Pour faire le travail du bec rouge, les analyses d'Elliott Stress. En tout cas, suivons tous la vidéo. Donc, c'est pour une cause bien précise. Donc, si moi je vois aujourd'hui des gens qui vont venir s'asseoir pour dire que oui, la mendicité, oui, les gens, les donateurs là, eux, ils sont là pour prendre étoile, vous-même, étoile même qui est dans vos villes, depuis même que vous êtes né là, étoile là même que vous avez là, jusqu'aujourd'hui où vous êtes peut-être à vos vingtaines, trentaines, quarantaines, cinquantaines là, on ne sait pas où étoile là vous a mené. Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. Toi-même, tu es en train de parler là dans les commentaires qui dit que non, une personne qui vient comme ça invisible et puis elle vous donne, vous ne voulez pas savoir c'est qui. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que vous vous écoutez parler en fait? Parce que si il y a l'option créer un compte sur TikTok, ajouter ta photo, oui ou non, tu as le choix d'ajouter, de mettre ta photo ou ta vidéo. Si tu veux pas, tu mets pas. Donc, si un donateur ou une donatrice arrive sur TikTok et qu'elle ne veut pas hein, s'afficher, je ne trouve pas pourquoi vous allez faire de ça un tas d'histoires. Parce que vous n'avez rien à dire, vous êtes plein d'aigreur, et que vous voyez, quand vous voyez vos camarades réussir là où vous avez échoué, par exemple, hier sur le live d'influenceur, elle a reçu presque combien de lions? Même si ce ne serait-ce qu'un lion. Vous connaissez un lion, ça fait combien? Donc, il y a des gens là, naturellement, eux, ils sont aigris. Donc, quand ils voient comme ça, là, ça lui fait mal. Et puis, il y a des gens même aussi là, au niveau des matchs là, les gens qui font des matchs ici sur TikTok là, il y a certains TikTokers qui sont très jaloux d'autres. Donc, par exemple, je prends un exemple, si Madame Patou, elle vient par exemple sur le live sur le match de Serge, et qu'elle envoie trois lions. Et que, je prends un exemple là, demain, elle part peut-être sur le match de Rocky et qu'elle envoie un lion. Si Rocky est de mauvaise foi, si c'est quelqu'un qui a l'envie, la rancœur, l'aigreur dans son cœur, elle va commencer à dire, mais pourquoi elle ne joue pas chez moi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Parce qu'une personne qui vient de te donner, même si ce ne serait-ce qu'une fleur, elle n'a pas d'obligation envers toi. Ce n'est pas toi qui as travaillé son argent. Ce n'est pas toi qui je sais pas, qui a demandé de recharger. Donc, à un moment donné, là, tout ça, c'est l'aigreur, la jalousie. Et c'est l'esprit de l'Africain, là, qui fait qu'on ne peut pas évoluer. Tu vois, quand ton frère est devant, là, tu pries, quand tu vois son bonheur, tu pries, tu demandes à Dieu aussi, mon Dieu, la grâce que tu as partagée à mon frère, là, il faut partager ça aussi pour moi, il faut me donner aussi. J'ai besoin. Mais tu ne fais pas l'aigreur, la jalousie. Hein? Parce que l'aigreur, la jalousie, là, c'est le mal. Ça peut t'entraîner à faire beaucoup de choses que toi-même, tu t'assois après, tu regrettes. Parce que ton cœur n'est pas clair. Et c'est ce qui s'est passé avec le petit là. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que je suis sûre que si cette dame continuait à aller jouer pour lui là, il n'allait pas sortir. Vous voyez? Donc, du moment où il sait que lui, pour lui, il est en concurrence avec les autres, ses collègues TikTokers. Il sait qu'eux, ils jouent des matchs aussi. Et il sait que si la dame ne vient plus jouer chez lui, là, la dame a ses préférés où elle joue là-bas. Donc, lui, il doit sortir maintenant pour mettre ça dans Hacheke. C'est ça. Donc, arrêtez l'aigreur, arrêtez l'envie, arrêtez la jalousie. Si tu vois ton frère évoluer, demande-lui, ah mon frère, ah Serge, vraiment, on dit qu'actuellement là sur TikTok là, c'est toi le plus grand panéliste. Et comment tu fais? Dis-moi un peu, comment tu peux me conseiller? Moi je fais comme ça, ou comment tu as fait pour au moins avoir un peu de la visibilité, mon frère? C'est comme ça. Mais si tu commences à le jalouser là, tu vas pas aller loin en le jalousant. Vous voyez? Donc c'est ça. Maintenant,
C'est normal que ces femmes-là, Madame Patou, Corbeau, hein, c'est normal que ces femmes-là soient touchées. Parce que quand qui parle de Maman Cathy, parle de Corbeau. Qui parle de Corbeau, parle de Axel. Qui parle de Axel, parle de Madame Patou. Parce que tout ça là, moi je vais dire aujourd'hui que Maman Cathy là, il est Madame Patou Corbeau là. Tout ça là aujourd'hui, si eux ils partent, si les femmes là partent jouer ou bien donner des lions ailleurs là, ça a commencé chez qui? On les a connus chez Axel. On les a connus chez Axel. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc si aujourd'hui cette dame, si une parmi ces dames est traînée dans la boue, c'est normal que hein, les autres soient dans le même combat. Parce qu'aujourd'hui, Maman Cathy, oui, mais Madame Patou a pris beaucoup de balles. Parce qu'elle, elle est sur TikTok. Son compte est ouvert. Est-ce que vous comprenez? Son compte est ouvert et puis voilà, elle intervient. Même sur différents sujets, même quand il y a des débats et tout, elle intervient. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas aussi l'injustice. C'est quelqu'un qui aime être réglo, pour ceux qui la suivent un peu. Donc, c'est normal qu'elle prenne des balles perdues. Parce qu'elles viennent de la même team qui est la team Bénédiction. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, aujourd'hui, on doit rendre hommage à ces femmes-là. Madame Patou, Grand Corbeau, même elle-même, son hommage même là, ça doit être aussi spécial. Parce que cette fille, hein, elle est beaucoup incomprise. Parce que c'est une fille qui est impulsive. C'est une fille, hein, elle, quand elle est dans des situations, elle aime beaucoup s'exprimer. Elle se justifie, tout ça là. Parce qu'elle ne veut pas que les gens lui collent une image ou bien un truc qu'elle n'est pas. Donc ces femmes, ce sont des femmes qui doivent être célébrées. Parce que ce n'est pas facile. On connaît les milliardaires, il y a les milliardaires même là, ne serait-ce que pour faire de l'offrande là. Ils veulent pas, ils peuvent pas. Est-ce que vous savez que ce qu'on appelle faire des dons, la charité là, on est avec, hein? On est avec, et c'est un truc qui est inné, c'est comme une personne qui est vraie. Une personne qui est vraie est vraie. Même si tu sais comment là, tu vas retrouver un truc vrai en la personne. Et c'est comme ça, il y a des milliardaires aujourd'hui qui ne peuvent même pas aider. Vous comprenez qu'ils ne peuvent même pas aider. Donc, si vous avez la chance de rencontrer des personnes qui ont la main sur le cœur et qui ne sont pas obligées de le faire, est-ce que vous comprenez? Donc, si vous rencontrez ces personnes-là, pourquoi vouloir traîner le nom de ces personnes dans la boue? Je suis désolée. Ça, c'est de la pure malédiction, hein? Ça, c'est de la pure malédiction. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui sont là à la recherche de ces genres de personnes. Hein? Des gens comme Madame Patou, là. Si aujourd'hui, hein, je sais très bien que où elle est là, elle est sur les réseaux. Madame Patou est sur les réseaux. Elle est sur TikTok. Elle voit tout. Elle remarque tout. Si aujourd'hui, je touche du bois. Si aujourd'hui, elle apprend que, ah, Boss Lady avec qui elle partageait les panels là, il y a quelque chose qui lui est arrivé. Parce que quand on est en train de parler là, les gens voient seulement juste affaire de lion, lion, lion. Je suis désolée. Si aujourd'hui, je touche du bois, elle apprend, hein, que Boss Lady, qu'elle connaît sur TikTok là, avec qui elle partageait les panels et tout, Boss Lady est en difficulté, Boss Lady est malade, elle a besoin d'aide, je touche du bois, cette fois. Si elle apprend ça, est-ce que vous pensez que la manière dont elle a la main sur le cœur et qu'elle part faire des matchs, elle donne des cadeaux aux gens, est-ce que vous pensez que Madame Patou va passer, ça va passer inaperçu? Elle va dire non. Cette fille, je la vois sur TikTok. Et on a une fois échangé. Pourquoi ne pas faire un truc aidé? Si aujourd'hui, j'ai, comment on appelle ça, ma fille, je prends un exemple, si aujourd'hui j'ai ma fille, elle rencontre ma fille quelque part, je prends un exemple toujours, je touche du bois. Si je ne suis plus de ce monde et que Madame Patou, elle voit peut-être ma fille ou bien elle voit peut-être toi, ta fille Serge, quelque part, et puis quelqu'un lui dit que voilà la fille de, tu te rappelles en 2024 là, peut-être si après 10 ans, hein, tu te rappelles en 2024 là, il y avait un gars là, il s'appelait Serge Tanon, voilà c'est sa fille ou c'est son fils, il y avait une fille là, elle s'appelait... Donc la vie là, c'est les relations humaines. Il y a des gens, ils voient seulement aujourd'hui là. Si tu veux regarder aujourd'hui là, il y a des choses que tu as fait, tu as des pertes. Parce que la vie, c'est pas seulement aujourd'hui. La vie, c'est demain. La vie, c'est demain parce que quand tu fais des enfants là, quand tu fais tes enfants restent, tu as parti, tu as laissé tes enfants. Mais ce que tu as sémé là, le bien que tu as sémé là,
Ça peut faire que tu ne sais pas où ça peut ouvrir les portes à tes enfants demain. Donc, c'est pour dire que ces femmes-là doivent être célébrées. Et franchement, Madame Patou, tu es une très belle personne. Tu es une très belle personne. Et la plupart des belles personnes qui sont vraies là, sont des personnes qui sont incomprises. C'est des personnes qui sont incomprises. Donc, ne te dis même pas que tu as reçu des balles. Tu as vu ce que je t'ai écrit la dernière fois, non? Et moi, là, je sais que tu n'as pas trop aimé ma démarche par rapport à ce qui s'est passé dans sur l'autre panel, là. Mais je sais pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait parce que moi, là, il n'y a pas quelqu'un... Si on dit guerre des réseaux sociaux, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut être endurant que moi. Nous, on a fait des combats. Pas possible. Tu vois, je peux charger ça sur ma tête. Vous êtes... Pourquoi? Pourquoi c'est Madame Patou que vous allez... Vous comprenez? Mais, à un moment donné, quand il m'assoit et que je regarde, est-ce que je veux... Ça me fait mal parce que je ne veux pas que ton nom trimballe dans la boue. Donc, si je peux apporter, hein, ne serait-ce que la paix quelque part, là, je vais apporter, en fait. Tu vois? C'est le pourquoi je l'ai fait. Et c'est pour ça que je t'ai dit, laisse tomber. Souvent, là, c'est pas seulement la justice des hommes, hein. Souvent, il faut laisser la nature juger les choses. Surtout quand tu te connais, quand tu sais que tu es vrai, là, et que tu as une fois donné quelque chose à quelqu'un avec le cœur. Il faut même pas te précipiter pour dire que non, tu veux te faire justice. Jamais. Souvent, faut... Ok. On va écouter un peu de musique de maman Cathy qui va apaiser le cœur de maman Cathy, une chanson qu'elle aime. Et on va écouter ça. Et après, on va laisser maman partout s'exprimer, s'il vous plaît. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour aussi aux guetteurs et ceux qui sont ici pour la toute première fois. En tout cas, faites-vous abonner chez Love Stress, cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout commentez-nous cette page très gentiment car ici on est très gentil. En faisant tout cela, c'est gratuitement gratuit. Voilà, vous n'allez pas payer un centime de vos poches pour vous faire abonner. Ça vous coupe rien, ça vous coupe pas le bras, ça vous tue pas l'œil. Donc, c'est gratuitement gratuit. Faites-vous abonner massivement. Allons-y. Moi, j'ai aimé la dame. Je répète encore, j'ai aimé la dame. La dame a été neutre. Elle a donné des bons conseils. How about tomorrow? Demain, après-demain, après 10 ans, après 15 ans, certains d'entre nous seront plus en vie. Alors, votre personnalité ou bien vos habitudes ou bien votre comportement, c'est l'étiquette de vos vies et de vos enfants. Voyez comme elle a rappelé, elle a interpellé même. Ah, vous allez vous souvenir de la dame telle, en 2024, là. Hey, elle était montée sur... Hey! Et le stress dit toujours... Faites très attention de ce que vous postez. Faites très attention de ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Faites très, très attention à vos commentaires. Ça peut vous engloutir et engloutir vos enfants sous la toile. Voyez, et le stress dit toujours ça. C'est par expérience de la vie. Voyez, nous, les autres là, on est devenus mûrs. Très, 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 très petits là. Alors, on sait. C'est pour cela ici, on ne prend même pas de part. Oh. Ici, on ne prend pas de part. Ici, on est justement juste. On vous poste tel que vous êtes. Alors, il faut faire très attention de nos comportements. Donc, pas vous, mais nous tous. On devait faire très attention de la façon dont nous nous comportons. Même dans les réseaux sociaux, même dans votre quartier, même n'importe où vous êtes. Donc, ça va vous interpeller un jour ou ça va interpeller vos enfants un jour. Ça aura un impact positif ou négatif selon votre comportement. Voilà. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Apprêtez-vous pour notre prochaine vidéo. Vous allez mettre même la ceinture. Voilà. Sur le live des corbeaux qui a répondu aux mamas de MMK. Donc, soyez tous prêts. Arrangeons-nous à regarder notre prochaine vidéo. On se limite ici. Si vous êtes ici pour votre toute première fois, en tout cas, patriotes aussi sur notre playlist, regardez n'importe quelle vidéo qui vous attire, qui attire les cœurs. Voilà. Et puis, commentez seulement jusqu'à la fin après avoir écouté le travail du Bic Rouge.
Voyez, c'est ainsi comme ça. Et nos abonnés là, on vous aime énormément, gravement, grave. Vous le savez très bien. On répète ça chaque jour. Hein? Chaque jour. Bisous, bisous à vous. Des gros bisous à vous. On se voit qu'à la prochaine épisode. Bisous, bisous. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.